il y a grand frère à Moïse Katumbi, Katebe, Katoto, Bolandae. Donc, à part, il y a une vérité pour Moïse Katumbi, Azate. Donc, il y a kak. Donc, ce que Bolandae, Moutouna Moutou, a tiré la conclusion. Pour aussi, c'est un peu la polémique dans ma Kambouya, Moïse Katumbi, Tolanda. Chers sœurs et frères, bonjour. De venir vers vous pour mettre les choses au clair, car trop c'est trop. J'ai vu passer les images où on me présentait en entretien avec X et Y, or que ce n'était même pas moi, même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui soi-disant j'ai eu l'entretien, a nié qu'elle ne m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani, où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. Un, je n'ai jamais rencontré M. Tchani. Deux, je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça les problèmes et la priorité même. Et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futurs qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais, qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça la politique. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, moi je reste dans le chapitre de la famille. La famille est là et je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Ma mère était congolaise d'origine de Kashobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père, donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop.
Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve les droits d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique et j'ai fait qu'observer. Donc, je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps. Et maintenant, c'est trop. Donc maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. Peuple congolais, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps. Et maintenant, c'est trop. Donc maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. Peuple congolais, veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens. Je pense que c'était nécessaire. Et je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères. Je vous Bino Moko Boyoki, on a grand frère Naé, donc je peux dire la bouche autorisée. Donc, si vous avez le biboué, vous avez dit que vous avez la famille. Donc, petite polémique, côté Wana, si vous avez le biboué, vous avez 100%, donc vous avez des pères et des mères, vous avez le Siko boti kanon makambuya. Puna likambuya. Mama na ye aza zambien. Wana siko ekwei deja. Wana ekwei. Etika ili kambuya. De père et de mère. De père et de mère. Ngyolo bake. Papa na yo. Aza kongole. Mama na yo. Aza li kongolez. Bo wana siko yo. Soki to kena kadre wana, wana Katumbi akokwea. Me soki Katumbi akokwea, akokwea peye mokote. Po Fachi, Felix Tshisekedi pe akokwea. Po Felix Tshisekedi, ye moka alobake, mama na ye, donc ba origine ya mama na ye, na makila Angola ezana kati. Donc soki makila ya Angola ezana kati, ya mama ou ya boti Félix Tshisekedi. Et nous disons que Félix y pe azana makila ya bangole. Donc, soka azana makila bangole, tolo bake y pe, si to kena de père et de mère, y pe azana éliminé. Donc, nan limite ke loi wane koleka, nan niveau e komisi ko yo, loi e koleka te, parce que soke leki, Félix Tshisekedi est peu à Kokoya. Vous avez un bino surpris. C'est bon, Monique, loi en est quoi. Loi en est Kokoya pour que vous puissiez comprendre que Félix peut à Kokoya. Ce qui est bandimique, va adopter loi en a. Et Kokoya s'appelle Félix Tshisekedi. Na moni déjà que loi en a et que les canangote. Donc, ce que l'on dit déjà, peut malobaya mboso. Au sentir déjà que si ba moni déjà que loi on est koko lekate yeko lekala ngo pété pour celui to kena idéologie des pères et des mères Fachi est pas okoya pour aza 100% na gouvernement pendenge bazak pour na déjà et belé baza pe ba 100% Jean-Pierre Bemba za 100% loi Tshani eko lekate et mona une déjà que za na la place T. Johnny Mitch is the king. Woo! Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king.
Yeah, Johnny Mitch is the king. Yeah, Johnny Mitch is the king. Yeah. In the United States of America, Johnny Mitch is the king. Yeah. Alors, à tous les amis, Johnny Mitch is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je savais pas. Ben, c'est un privilège de connaître Johnny Mitch et d'avoir les images avec Johnny Mitch. Ouh, je suis très honoré. Bravo, Johnny Mitch.